Un soliste, une œuvre. Nicolas Cross, contrebassiste, présente Métathésis de Tolga Tuzun. Métathésis de Tolga Tuzun pour deux contrebasses et un interprète. Tolga Tuzun, c'est un compositeur de grand talent. Il est passé par New York, a fait un doctorat. Il a travaillé avec David Holland, Tristan Murail à la Columbia. Il est directeur du département musical à l'université Bili, à Istanbul. Il joue beaucoup là-bas, il fait beaucoup de free jazz et d'improvisation. Visuellement, on a une contrebasse que je joue tout à fait normalement. Et à ma gauche, une contrebasse couchée avec un archet qui est entrelacé dans les cordes. La contrebasse couchée, c'est plutôt une recherche sonore qu'un accord très précis. Et moi-même, la contrebasse que je joue, elle est accordée en scordatour avec des quarts de ton. Tolga, il avait une idée très précise de l'architecture de sa pièce. Il avait besoin de moi maintenant pour lui fournir le matériel sonore, c'est-à-dire comment jouer de la contrebasse et comment faire cette recherche aussi sur cette deuxième contrebasse couchée. Trouver les meilleurs artifices pour que ça sonne, voilà, pour que ça sonne le mieux tout le temps. C'est une pièce en un mouvement, mais on peut voir, je dirais, trois parties à peu près. La première partie qui est vraiment une mise en bouche lyrique, avec l'utilisation de l'archet, de la contrebasse très, très classique. Progressivement, on glisse comme ça vers des choses plus jazzistiques, plus on entend des petites phrases comme ça de un peu de free, des choses on comprend d'où vient Tolga. Entre ce qui est écrit et ce qui sonne, pour l'oreille c'est un peu compliqué parce qu'on doit respecter aussi la corde que le compositeur veut faire sonner. C'est là où la collaboration avec le compositeur est très importante, c'est-à-dire trouver des solutions où le geste musical est le au mieux respecté par rapport à la pensée du compositeur et par rapport à l'exécution de l'instrumentiste. Puis on arrive à cette partie très très percussive, centrale, où là ça part dans tous les sens, ça rebondit. Et on revient vers un matériau sonore plus écrit, jusqu'à ce que je désaccorde cette contrebasse, celle que je suis en train de jouer normalement, je la désaccorde, très très grave, cela entraîne une modélisation du son, et plus je donne, parce que c'est que du temps réel, donc plus je donne d'énergie là-dedans, plus le temps réel prend des informations et les retransmet, les recrache dans les haut-parleurs. Voilà, et ça arrive jusque-là, jusqu'à ce que je pose la contrebasse. Là, je me lève et je finis sur la deuxième contrebasse couchée. Ensemble, la terre. Ensemble. 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 Ensemble.